À ce qui paraît, c'est impossible de créer son entreprise si on n'a pas d'argent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Hein que c'est faux. C'est faux. Déjà, il n'y a pas toujours besoin d'argent pour créer une entreprise. Exemple, le service à la personne. Vous aidez les personnes âgées à faire leurs courses. L'apport personnel, c'est vous. Vos capacités relationnelles... Bonjour Madame Martin. Un petit coup de main. Musculaire. À votre service, Madame Martin. Et votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Maintenant, admettons que vous ayez besoin d'argent. Ça peut arriver parfois, hein, pour lancer ou développer votre entreprise. Ouais, faut vraiment que j'investisse dans un chariot, hein, parce que là, en ce moment, Madame Martin, elle a soif. Une solution va être d'emprunter, parce que l'argent, on va pas tomber du ciel. Eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'une grosse somme. La moitié des créateurs soutenus par l'ADI commencent avec moins de 3000 euros. Après, que vous soyez au RSA ou au chômage, sachez que l'ADI peut prêter jusqu'à 10 000 euros aux créateurs d'entreprises n'ayant pas accès au crédit bancaire. Mais n'oubliez pas une chose, la ressource numéro 1 pour votre projet, c'est vous. Vous êtes un capital inépuisable. Enfin inépuisable ?